So you're beautiful, Daisy. Ouais, je pense. Donc là, on est au 9e étage du Disney Magic. On a croisé Daisy. Elle est toujours aussi belle, tenue marine, on va dire, je sais pas trop. Et là, on est à l'arrière du bateau, donc on voit la traînée du bateau. C'est très joli. J'essaie de voir si on voit des dauphins éventuellement. C'est vrai qu'ils ont tendance à suivre les bateaux certaines fois. On voit rien à perdre de vue. Hein. Ah si, il y a la côte là-bas. Je me demande si c'est pas Miami là-bas. Tout au fond. Tu vois pas les buildings? C'est peut-être ça. Hein. Bon, voilà. Si, c'est le terrain de basket. Ah oui, c'est vrai. Le terrain de basket, c'est sûr. Et il y a un autre perso là-bas. Non, c'est des initiales. D'accord. Il fait 40 degrés, il la sort en plein soleil. Tu l'as déjà. Tu l'as pas avec les cheminées, c'est ça? Ouais, ah mais je suis content. Ah oui. Heureusement qu'on y a été demain. Ouais, ce matin, ouais. Mais là tout le bateau est là. Hein. Ouais, là il y a beaucoup de monde dans les jeunes enfants. Hein. Là, il y a du monde. J'ai l'impression qu'ils ont fermé la truc de trappe, non? Le toboggan à trappe, il est fermé, je crois. Et Daisy, elle est là, regardez. Je crois que le truc à trappe, il est fermé ou il y a personne, je sais pas. Je vois pas de qu'est-ce qu'on met en haut. Il y a de l'eau pourtant, mais ouais. Nous, on a la piscine. Ouais. Quand vous êtes sur le bateau aussi, vous avez une salle de cinéma où il passe aussi autre chose. Et là, par exemple, aujourd'hui, vous avez Elemental, Indiana Jones le dernier et La Petite Sirène aussi le dernier. Donc, ce sont des films récents, mais aussi des navets, hein, on est d'accord. Donc voilà, donc, la salle de cinéma s'appelle Buena Vista Theater. Donc, et ils vendent du pop-corn, des céréales, des bêtises. Donc là, on est à hauteur des bateaux de sauvetage donc, en cas de problème. Donc là, il y a les salles enfants aussi. Magnifique collection de tableaux, 1934. Et c'est tout sympa. Ah oui, c'est la zone enfant là. On va pas, on y est venu le premier jour. Allez, on va voir tout à l'heure. C'est pas tout, c'est pas du bateau. On est au buffet du dernier midi au Cabana sur le Disney Magic. Et je commence par les desserts et après on va aller en crescendo. Donc là vous avez différents desserts, des gelées, des petites parts de petits desserts. Vous avez de la glace, vanille, chocolat, strawberry. Là vous avez un bread butter pudding, il est très très bon. J'approuve complètement ça. Donc là aujourd'hui c'est... Alors chaque menu du midi ça change. Donc là c'est la partie indienne. Donc hier c'était la partie mexicaine et avant c'était la partie chinoise. Donc oui vous avez un butter chicken.
Ils avaient du korma, ils avaient vraiment des trucs sympas. Hein. Il y a des petits nanes, oui, c'est même repris des nanes. Vous avez des samosas, du riz, du poulet, des végétales pâtis, je sais pas ce que c'est. Des pommes de terre, et voilà, des petits trucs vraiment très typiques. Là, vous avez les sauces ketchup, mayo classiques, moutarde, tabasco. Donc là, c'est les gens qui donnent le couvert. Là-bas, vous avez les fruits de mer, vous avez aussi les parties véganes. Pour les gens qui mangent pas trop de fruits, enfin pas trop de viande, etc. Après, vous avez de la charcuterie aussi, si vous voulez, des olives, des pinces de crabe, des moules. Vous avez vu la taille des moules, elles sont quand même très costauds. Des crevettes, les crevettes sont très bien. Donc là, vous avez de la viande à la coupe, c'est un rump steak mariné, flank steak, on fait une sorte d'entrecôte, quoi. Là, vous avez des petits légumes, vous avez du poulet, il y a même du mouton. Et du mouton, c'est sympa, ça. Et chaque midi aussi, vous avez trois sortes de focaccia. Donc voilà, les fromages, oignons et parmesan. Vous avez aussi. Alors là, il y a une sorte de strip loin flambé au cognac, c'est pas mal. Il y a un gratin de pommes de terre, il y a du gratin au yaourt, il y a de la purée, il y a du mac and cheese, des champignons. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Un gratin de fruits de mer, du riz, encore du riz, trois sortes de pain. Les pains sont pas extraordinaires. Il y a une petite flopée de légumes, des crevettes. Les crevettes sont très bonnes. Il y a une sorte de petite marinade. Alors là, vous avez. Je sais pas ce que c'est. Un rouleau légumes, tomates, du poisson, la soupe, des petites brioches. Sympa ça. C'est la zone enfant. Là. Vous voyez, la zone enfant, c'est très restreint. Voilà. Et après, bah, c'est la même chose de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est le Disney Cabana. Et le midi, ça change un peu en général, ils changent très souvent leur menu. C'est très sympa. On est au DVC Welcome. En fait, c'est un événement qui est dans le bateau qui permet aux membres non DVC de voir comment ça se passe. Et on vous offre de l'eau. Je sais pas si vous allez bien m'entendre. On vous offre de l'eau, il y a toute une présentation. Et il y a un magnifique prospectus. Voilà. Et on peut gagner des cadeaux. Ouais. Et vous gagnez des pins, des porte-clés et du crédit on board, voilà. Et sachant qu'on n'est pas nombreux, donc vous avez plus de chances de gagner si vous êtes vu qu'on n'est pas nombreux. Il y a du monde qui arrive quand même. Hein. Non, ça va aller. T'as fait une chance sur 50. C'est pas mal comme chance. Et ben, j'avais pas gagné l'autre jour, mais j'étais pas loin. Babies, and everybody else said okay. So my name is Nick, and we have a lovely Anika here helping me out too. We have four racing babies preparing at the sidelines, ready to compete in today's race. Are you ready? That is what I like to hear. So here in the alright. Coming up against the Malia from Pennsylvania, weighing in on 25 pounds. It's 11 months, Teddy! Okay, so let's have a word with our competitors here at the starting line. So, has Amalia been preparing for today's race? She's been going up and down our room all morning. Practice laps, I like it. It's all about the warm-up. Very good. You should never do a race with this. Exactly! Good job, Amalia. Her hands say yay, let's do this. Her face is giving away nothing. She's in the zone. Okay, Teddy, what have we been doing to get ready for today? I'm not making a special shake today. Okay, well, I love it. We're carbo loading. Excellent. Special protein shake. Thank you.
Rencontre avec Goofy dans quelques secondes. Il est là, il nous attend. Mais il est chaud patate. Et il est là, ça sent bon Goofy, ça. C'est un Goofy comme on le veut. Daisy, look at her ears. Wow, she's got ears just like yours. And they often matches. All right, let's hit a pose, friends. Ready? 1, 2, 3. And out of our camera here, friends. So beautiful, Daisy. Yes, really, lady. Thank you. Thank you. Il est 17h30 et nous mangeons une pizza. On mange pas avant 20h15, donc c'est la collation. C'est Emily qui m'a supplié qu'on mange une pizza. Et on va voir, à tous les coups elle est dégueulasse. On verra, on va tester café et eau. On va voir ce que ça vaut. Allez, dégustation pizza. Quel divin. Quand vous faites une croisière et vous êtes au théâtre ou à un spectacle, quand vous voyez des Mexicains ou des Espagnols, je vous conseille de vous écarter. Ils mangent, ils en foutent partout, on est envahi, c'est une invasion correcte et pure et dure. Donc c'est n'importe quoi là. Donc quand vous voyez ce genre de personnes, Espagnols, Mexicains, fuyez, mettez-vous de l'autre côté de la salle, vous serez tranquille. Fuyez, pauvre fou. Fou. Parce que là, ils sont 15 et c'est n'importe quoi. Voilà, donc voilà. Petit conseil, théâtre, spectacle, cinéma, mexicain ou espagnol, fuyez, c'est un conseil. Parce que dans un bateau, ils font n'importe quoi, ils n'ont aucun respect. Et pareil qu'on a la même chose... Comme à DLP. Voilà, comme à DLP, comme les Espagnols, pareil. Voilà, à bientôt. Dernière soirée sur le Magic, vous avez Mini qui est là, Mickey qui est là. En bas, des danseurs, après il y a les photocalls. C'est presque fini. Demain matin, il va falloir rentrer. Mimi, elle est posée. On est à l'entrée de restaurant Animator Palate et je vous montre, c'est vraiment très joli. Donc c'est ce resto a lieu et dans aussi dans deux autres. Il est dans le Wonder, dans le Fantasy et dans le Dream. Voilà. Mais le Dream c'est pas du tout la même. Voilà, le Dream c'est plutôt Nemo. Donc voilà, là c'est le logo principal et vous voyez les couleurs sont incroyables. Il y a des dessins donc qui ont servi plus ou moins pour la création de certains films, donc des croquis. Donc il y a vraiment de tout, hein. Bernard et Bianca, les 100 Dalmatiens, là vous avez Cars, Captain Crochet, Pinocchio. Vous voyez les couleurs, c'est vraiment joli. Hein. Là vous avez Réponse qui est déjà un peu plus récent, Nemo, Fantasmique, donc Mickey. Là pareil, vous avez La Belle et la Bête, donc vous voyez les différentes petites notes. Avec les attitudes, etc. Ouais, c'est vraiment très joli. L'entrée est juste là, et comme vous voyez, le resto est là-bas. Ouais.
I was like, you guys go ahead. No, you're right. Thank you. What number again? 54. Voilà. 27. 27. That's right. Oh, good evening. 27. Pour moi, c'est plus petit qu'autre jour. Your screen, that'll be fire. Okay. Bon, ça va, on va aller plus. Oui. Hello. Hello. Donc là on est en train d'assister à un croquis, un début de dessin, là-bas aussi. Ah, good. Le focaccia elle est bien meilleure, hein. Vas-y, prendre le focaccia. There we go. Voilà, c'est good spread, right? Good. Prendre le focaccia. Ouais, mais j'ose pas demander, moi. C'est meilleur, ouais, c'est bon. Mimi est content. Là-bas, je sais pas qui c'est. C'est pas la meuf de... Je suis pas sûr. Si, si. Là-bas, je sais pas. Je crois que c'est le cul de Mickey, mais je suis pas sûr. Stitch. Stitch? Ah oui, oui, peut-être. Non, c'est Bambi. C'est Bambi. Oh, Arnaud, il a détecté direct. Et là-bas, c'est Balou. Ça, ça me dit que tu cherches. Oh, j'ai trouvé direct.
Boy, I'll help you. Come on. It's going to be okay. Thank you.
Allez, voilà. Well, everyone, it is officially
Oui, c'est des vrais pétales de rose. Ouais, et tous les soirs, du coup, l'homme de chambre fait des petites sculptures aux serviettes. Donc, avant, il y avait des giardinis. Bon, maintenant, on a des chocolats que personne ne... Tout pourri. Ouais, c'est vrai. Aïe, c'est le dernier soir. Ah, mais la morue. Attends, le deuxième. Je ne dirai rien. A plus. Dernier petit déj de buffet. Mais au moins c'est bien parce que sur le Wish il n'y avait pas. Donc là nous on approuve le Magic, il y a petit déj le dernier jour. Voilà, donc on a la vue sur Miami qui est en train de se réveiller. Et on va occuper notre voiture à 9h15, 9h30. Donc là il faut sortir du... Enfin, prendre nos valises, il faut aller à la chambre. Je me douche, on prend nos valises, on descend. Dès que ça ouvre, on passe la frontière, on passe la douane. On prend Uber, on va à l'aéroport. Et après, on récupère notre voiture. Et après, on va voir ce qu'on fera. Le démarquement a lieu. Donc là, actuellement, c'est ceux qui ont toutes leurs valises avec eux. Ils peuvent débarquer. Parce que nous, on a... C'est l'express débarcation. Parce que nous, on a déposé nos bagages hier devant notre chambre avant 10h. Et là, elle se retrouve dehors sur une zone spécialisée avec des personnages qui vous disent « ta valise est dans telle zone ». Nous, c'est... Dingo, c'est quoi nous? C'était quoi nous? T'as pas fait une photo? J'espère qu'elle a fait une photo, autrement on est foutu. Et donc là, tous ceux qui ont leur valise peuvent débarquer maintenant. Voilà, nous on va débarquer, ben, on doit attendre. Bon, je pense que dans 20-30 minutes ça devrait aller. Un peu avant 8h quoi. Voilà. Ah, il y a le machin qui est marqué là. Donc il y a des indications qui vous disent à quelle heure les bagages seront disponibles dehors ou pas. Ils sont sûrement en train de les débarquer là. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. So, from Neil again, and the whole crew, so long, and we hope to see you real soon. Oh. Dépression. Mille triste. On est dans le Uber pour aller à récupérer notre voiture à l'aéroport de Miami. Et après, on a une journée où on va se balader. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Un peu de shopping, je sais pas, on va voir. Quand on est tout en haut d'un méga échangeur à 18 voix, là sur le côté j'en compte au moins 10, 12, voire 14. Il y a peut-être 20 voix de tous les côtés, quoi. C'est incroyable. C'est un bordel sans nom, quoi. Voilà. Donc là on se dirige vers Box Lunch et on va se faire un petit arrestation service, se doper et continuer notre journée. Des bisous, à de suite. On est officiellement perdu à Sawgrass Mile, à la faute d'Emily. Elle a voulu tourner à droite, il fallait tourner à gauche, il fallait tout droit, il fallait péter tous les magasins. C'est toi qui as dit qu'il fallait tourner à droite. Première poche achetée, Tommy Bahama, il y avait 20$ le t-shirt, je suis très heureux, je suis refait. Voilà, Emily a toujours rien acheté, ce qui est plutôt inquiétant. Je dis ça, je dis rien. Allez, c'est par là-bas, il y a des trucs là-bas. Allez, on continue. On est au food court de Sawgrass Mile, on est chez Popeye. Et donc c'est bien, c'est que là vous avez du choix, vous avez pas mal d'enseignes connues. Et si t'as envie d'un Burger King, un Popeye, un Hippo... Ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours des food courts et tu peux prendre ce que tu veux et tu te rejoins au milieu. Voilà. Et il n'y a pas de réservation de table. Vous avez des pizzas, il y a un Fire House to the Sandwich là-bas, un truc asiatique, un truc cajun. Voilà. C'est le standard Popeye. Et moi, j'ai pris bacon un peu plus gros. Voilà. Allez, miam miam, miam miam miam. On l'a pas vu dans Mansion, il l'avait pas, je crois. Il y a des pop. Il y a des pop partout. Et il reste de la place dans la valise. Hey. Et on a fait une petite demi-heure de route. On se retrouve dans une boutique que beaucoup ont aimé. Où on était il y a 5-6 jours. Et là, on revient parce que après, on a d'autres choses à voir dans un méga mall. Et là, c'est un des plus gros malls des États-Unis. Il fait 2 km de long. Donc, oui. C'est celui où il y a Primark, effectivement. Et cool. Oui, il y a un Primark, il y a un Macy's, il y a un Target. Ah merde, ah mais je vais peut-être le ramener alors. Ah, Marion, si tu vois le live, il est là, on va pouvoir le ramener. Ouais, il va falloir lui prendre. Tu le reprendras tout à l'heure. Voilà. Donc Marion, il y a ton mug. Non, je ne fais pas de pick-up, mais il me restait un peu de place dans la valise. On a ramené pas mal de choses pour beaucoup de gens. Sachant que le concours, il y aura du lourd. Il y aura un mug, des badges Cruise Line, des badges Disney World, des plans,
un luggage tag, je crois, une poche machin. Il y a voilà, le concours et une paire d'oreilles aussi. Ouais, donc il y aura trois gagnants. Normalement, on va dispatcher un peu et ben, les trois seront bien gâtés. Voilà, avec que des produits de ces boutiques-là, parce que c'est Disney et c'est pas cher. Donc voilà, donc je vous fais faire un tour vite fait de cette boutique-là. Donc c'est les produits fin de série de Disney World aux alentours, et des fois il les rebaisse de prix, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, je vous donne un exemple tout con. Je retourne la caméra. Toc. Donc là, voilà. Là, par exemple, vous avez des jerseys, plein de fringues. Ils sont déjà bradés. Ils sont genre... là, vous avez le premier prix. Vous avez le prix, c'est 60 balles, d'accord? C'est à 29. Et là, il y a 30%. 30% sur 29. Donc, ça fait le truc à 10 balles. Voilà. C'est ça qui est plutôt bien, ce type de magasin. Ils ont besoin de faire de la place. Donc, forcément, ils bradent. Eh, on l'a acheté pour quelqu'un qu'on connaît. On nomme pas de nom. Et la chemise, tu l'avais essayé l'année dernière, mais tu l'avais pas pris. J'aime pas parce que tu sais ça. Elle taille trop bas. Il est sympa celui-là. Il y a pas ta taille. Donc il y a tout. Hein. Il y a aussi bien du Star Wars, du Noël, du Haunted Mansion. Et du Dunenburg. Ah oui, il y a des produits très chers aussi, il faut pas croire. Hein. Mais. Ouais. Donc il y a vraiment. On va aller voir. Donc il y a vraiment tout type de produits. Et regardez, par exemple, ça c'est la. Comment ils appellent ça, une blanquette, une couverture de canapé. Elle est bradée. Je sais qu'elle est pas très chère. Bon, nous on a plus de place pour la ranger. 30 euros au lieu de 74,95. Donc c'est plus de 50% de remise. C'est vachement sympa. Donc c'est con parce que quand tu achètes le truc au prix fort en boutique. Voilà, ouais. Et là tu vois bradé, ouais. Donc il y a beaucoup de produits des 50 ans parce que ils ont pas le choix de le. Il y a encore ton mug, Emily. Emily, elle s'est acheté ce mug là qui est là-bas. Il est là-bas. Ouais. Voilà, Emilie a acheté ça. Pourquoi? Je ne sais pas, mais j'aime bien. Donc voilà, après vous avez plein de peluches. Et il y a beaucoup de produits Star Wars parce que j'ai l'impression qu'ils ont du mal à les écouler. C'est le plus gros problème des boutiques comme ça, c'est qu'ils essaient d'écouler des produits que personne ne veut. C'est pas mal ça. C'est parce que ça représente. Des hôtels, non? Il y a le food and... Il est sympa le Jersey Spirit Food and Wine qui coûte à la base, regardez. À la base, il coûte 29 et 78 balles. Et il est vendu 29 balles, c'est pas beau ça? Donc il y a aussi des produits chers. Donc voilà, l'exemple type. Hein. Regardez. Moi j'ai acheté ce magnifique voilà. Dunenburg Bernard et Bianca. Il est très beau. Hein. De base. Il est à 228 dollars, donc à peu près 225 euros. Et je l'ai acheté 59, donc 62. 60. Donc ça fait une remise de 200 euros. Voilà. Donc, et vous avez tout type de sacs, hein, Dunenburg. Vous avez des Disney Vacation Club à 149 au lieu de 300. Petit là, le portefeuille du coup est à 100 dollars au lieu de... Ça dépend des produits. Ça dépend si ça fait longtemps qu'ils sont là. Si ça fait longtemps qu'ils sont là, ils vendent à perte aux États-Unis, donc il n'y a aucun souci, ils peuvent vendre vraiment à perte. Donc là, vous avez quelques Magic Bands sympas. Oh, il y a un Magic Band plus, ouais, je suis étonné d'en voir un. Non, tu as des goûts de luxe, ma chérie, tu peux reposer ce sac. 268, il est à 149,99. Voilà, donc parce qu'ils ont. Le Bernard et Bianca, en fait, il est. Mais parce que c'est un produit qui est là depuis longtemps. Donc ils le bradent. Voilà, c'est ça. Vous avez des casquettes aussi, comme vous pouvez voir. Casquette rose. Qui c'est qui a une casquette rose? Donc voilà, vous avez pas mal de produits sympas. C'est donc, on vous mettra les adresses des boutiques que quand vous êtes en Floride et vous voulez acheter des produits Disney pas trop chers, vous pouvez. Toujours le magnifique Figment mug. Toujours, donc c'est comme un Disney Store, hein, à quelque chose près. C'est un Disney Store, c'est juste qu'ils vendent du produit bradé. C'est des produits neufs, hein, il n'y a pas de produits d'occasion, quoi que ce soit. C'est des fins de série qu'ils ont du mal à écouler dans les parcs, donc ils les envoient sur les trois boutiques qu'ils ont en Floride, dont celle-là. Et ce qui est assez marrant dans celle-là, c'est que vous avez beaucoup de produits Cruise Line, alors que les deux autres, ils n'en ont quasiment pas. Là, vous avez beaucoup de produits Cruise Line. J'ai vu des magnettes, il y a des mugs, il y a un jersey que Mimi dans les mains, mais je crois que c'est trop grand pour elle. C'est trop grand. Mais regardez, ça, ce produit-là, de base, coûte 80-85 euros, je crois. Il n'y a pas le prix de base, mais là, il est à 40. Voilà, et il doit être à 80. 40 et en plus. Et oui, 30%, ouais. Donc, il y a une sacrée remise, ouais. Donc voilà, et ben ça on a ramené ça à chaque année. On en ramène, c'est vrai que c'est pas très cher les tenues Numos. Alors moi je suis pas fan de ça personnellement, mais on en a ramené pour une de nos amies, voilà. Ça coûte 2 dollars quoi. Alors qu'en France ça coûte un peu plus cher. Vous avez des sacs aussi, c'est Gardien de la Galaxie je crois, non. Mandalorian, je sais pas trop. Si c'est Buzz, c'est un sac de Buzz.
Donc voilà, c'est très très varié quand même au niveau affaires, vous avez vraiment de tout. Hein. Il y a un petit jersey Star Wars. Hein. Voilà. Toc. Donc voilà, donc c'est vrai que cette boutique là est l'équivalent de celle qui est à Orlando. Et il y a juste des petits produits Crossline en plus, il y a des Crocs aussi. C'est voilà, des Crocs fourrés. Les Crocs fourrés sont à 34 au lieu de 70. Sûrement 70, ouais, c'est cher les Crocs. Donc là, section Noël, hein. Donc, sachant que là, le problème des problèmes de Noël, c'est qu'on est en juillet. Donc voilà, et ça, c'est les produits de la saison dernière. Donc, et ces jerseys-là, ça fait plus d'un an qu'ils sont là, parce qu'on les a vus en septembre l'année dernière. Et vous avez des ornements, il faut pas croire aussi, regardez, il y a un magnifique ornement. Je crois qu'on l'a acheté celui-là. Je sais plus. C'est vrai qu'il est sympa. Il est 20 balles. Bon, il est 9, voilà. Et quand on parlait des remises, des fois, il n'y a pas forcément des grosses remises. Regardez, là, il y a que 9 euros de remise, c'est pas extraordinaire. Et ces oreilles-là sont dans le concours. Voilà, regardez, je vous montre même le prix, hein, pour toute franchise. Il y a même le prix. Celle-là, bon. Et il paraît qu'une amie, Emilie, les aime. Moi, je les aime pas. Mais je... Donc voilà, il y a pas mal de produits. Donc ça, on va acheter ça, on va ramener ça. Voilà. Bon, j'espère que ce petit tour de boutique outlet vous a plu. Ouh, c'est spécial ça. Guillaume, si tu nous regardes, le costume Jack. Prix, mais le prix, toujours le prix. Et il existe en deux couleurs, il est en orange aussi. Alors, attends. Attention, hop. Et sans les. S'il y a 30% peut-être dessus, non. Peut-être pas, ouais. Voilà. Et il est en orange aussi. C'est les tenues un peu. Ouais, c'est sympa ça. Voilà. Donc, de toute façon, on va revenir tout à l'heure pour acheter le mug. On va continuer notre après-midi. On se retrouve au Walmart dans 2-3 heures. Fais des gros bisous. Et à tout à l'heure. Des poutous. Passion, station service. Des pipas au goût pepperoni, je connaissais pas. C'est bizarre, non? Il y a plein de merdouilles. Du café. Des très très gros mug de soda. Et voilà, on est dans le monorail pour l'aéroport, midi en PLS. Et c'est bien parce que on l'avait vu de nuit la dernière fois qu'on était venu, maintenant on voit de jour. Ça c'est top. Donc non, là on va tranquillement aller déposer nos bagages. On va déposer les filles, elles sont lourdes. Et après on va faire un tour dans l'aéroport parce qu'on ne le connaît pas bien cet aéroport, à chaque fois on est toujours pressé. Et après je sais pas, on va voir, enfin on a le temps, hein. On embarque dans 2h30. Ouais, dans, on a le temps. Allez Mimi, le sourire. Il fait joujou avec l'escalateur. Bon, on n'a pas fait de live à Walmart parce que on n'a pas trouvé de choses intéressantes à vous montrer niveau Disney, c'était... Voilà, c'est ça l'inconvénient de certains Walmart, c'est que plus vous éloignez d'Orlando, moins il y a de choses Disney. On en a fait deux aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que les lives que nous avons fait vous ont plu. Émilie, voilà, elle est hyper heureuse de rentrer. Là, on est à l'aéroport de Miami, on va attendre notre check-in pour poser nos bagages. J'ai une mauvaise nouvelle, nous avons encore de la place dans nos valises. On avait 2 kilos en moins, mais malheureusement, on ne pouvait pas le savoir. Et non, on ne va pas acheter le porte-bagages uniquement une fois par an. Non, ça sert à rien. J'espère que tous les likes que vous avez eu vous ont plu. On se retrouvera l'année prochaine. Faites une cagnotte pour qu'on reparte. Moi, je vote pour une cagnotte. Faites une cagnotte pour Mimi et Arnaud, comme ça, ils partiront en vacances plus vite. Faites une cagnotte à l'URSSAF. Hein, petite dédicace. Mais voilà, donc non, j'espère que ça vous a plu. On fait une vidéo dans notre, on la partagera sur notre YouTube la semaine prochaine. On fait un méga haul Disney, un truc que je ne sais pas faire du tout. Et voilà. Donc j'espère que tout ça vous a plu. On fait des gros poutous. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube et ça, on partage toujours des vidéos. Il y a des gens qui dorment pas. Et je partagerai les vidéos d'attractions qu'on a filmées avec la GoPro sur ce groupe-là.
Et vous allez voir, c'est une tuerie. Il y a le toboggan Cruise Line, il y a BTM. Non, j'ai pas filmé Space Mountain, du coup on voit que dalle. Je parle même pas de Rock'n'Roller Coaster, c'est pareil, on voit que dalle. De toute façon, dans Space Mountain, il se chie dessus. Et c'était pas intéressant. Donc il va pas montrer ça. De toute façon, on voit rien. Donc ça, ça change rien.